Salut à tous, bienvenue dans votre rendez-vous Salut du mardi, les amis. Unboxing du mardi, et aujourd'hui on a parlé, alors où on va peut-être vous parler, peut-être teasing ou peut-être c'est déjà passé, de Collard 2. On restait sur du mentalisme de scène, pratique, pas cher, et pour ceux qui font que du close-up, qui veulent rajouter un petit numéro sur scène, bah là on est dans le thème. Hein. C'est Killer Prediction. Donc Cody Fischer qui est un pro, pareil, qui bosse de malade. Vous avez peut-être vu Gus dans son spectacle qui fait un effet similaire. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait à diversion, mais à vérifier. Et en fait, là, vous avez une routine de jeu invisible agrémentée d'une prédiction depuis le départ. En gros, vous jetez des boulettes dans le public et la carte est révélée dans le jeu comme classique, jeu invisible ou brainwave. Et derrière, vous demandez aux spectateurs d'ouvrir chacun leur boulette et sur leur boulette, si le spectateur a choisi le 7 de cœur, il y a le 7 de cœur. Donc très très cool. Là, vous avez un DVD donc il n'y a pas de gimmick qui est fourni là-dedans, il n'y a rien. Le choix du spectateur ou des spectateurs est totalement libre. Exact. Que ce soit pour la valeur, pour la couleur, piqueur, carreau, trèfle. Tout est libre. On peut imaginer, avec le même principe, une fois que vous aurez acquis le savoir et la petite astuce, on peut imaginer peut-être d'autres idées. Pourquoi pas ? Voilà, il n'en fait pas référence, je crois, dans le DVD, mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner en tout cas d'autres idées par rapport à ce modus operandi, en fait, de jeter une petite boulette pour sélectionner ou non un spectateur et de se servir à la fin des boulettes qui ont été jetées, donc des boulettes de papier. Hein, vous jetez pas des boulettes de spaghettis, on est d'accord. Il y a juste des... Non, c'est ça, c'est les boulettes de papier. Voilà, qu'on déplie vraiment... à la fin et donc qui font la révélation en direct, en live, devant votre public. Du coup, faut anticiper qu'il va vous falloir un jeu brainwave ou un jeu invisible, classique, parlor ou jumbo. Vous avez aussi besoin de feuilles de papier de couleur, d'une imprimante ou d'un gros marqueur. Vous avez besoin aussi d'un accessoire qui va vous permettre de... C'est globalement le gimmick, en fait. Et ça se trouve chez Decathlon. Il y a sans gros problème. Hein, j'y étais. Moi, je me le suis fabriqué. Et peut-être une caisse. Donc, chez Ikea, il y a des caisses qui se plient très facile. Donc, globalement, il va falloir peut-être mettre 20 ou 30 euros en plus de ce produit. Ouais, qui maximum. Est à 41,90. Donc, ça vous fait un produit à 60, 70 euros. On est dans les clous de Collard et on est dans les clous de It Imagine. Et ça reste un produit qui est hyper pratique parce que ça pack small, play big. Très fort impact. Ouais. Et si vous voulez finir un gala de close-up avec un petit moment sur scène, et ça suffit en fait. C'est tellement fort que ça suffit. Ah oui, à la ça fin. Se suffit à lui-même. L'effet en fait est très très fort sur les spectateurs. On est sur de la prédiction, voilà, on est sur ce genre d'impact en fait sur votre public. Donc on sait que voilà, tout ce qui est prédiction, ouais, ça a quand même une très forte valeur ajoutée dans les spectacles. Et ouais, ça vous permet, si vous ne faites par exemple que du close-up, d'avoir vraiment une petite corde en plus. Et voilà, faire un petit final à l'issue de votre prestation, c'est toujours très apprécié des clients. C'est en plus quelque chose que vous pouvez évidemment refacturer plus cher qu'une prestation normale. Donc mettez-vous au salon, mettez-vous à la scène avec ce type d'effet, comme It's in Magic, comme Collard, comme ouais, d'autres effets de ce niveau-là pour un coût qui n'est pas très cher en fait, ouais. On n'est pas sur un effet électronique ou quelque chose à plusieurs milliers d'euros, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui est quasiment clé en main. Voilà, vous avez besoin de 2-3 petits accessoires en plus, mais c'est des choses qu'on trouve un petit peu partout, voire même que vous aurez chez vous en l'occurrence pour ça. Donc voilà, on a pas l'utilité de faire un unboxing réel de ce produit-là, c'est un DVD, hein, tout mais simplement. Voilà. Mais l'apprentissage vaut vraiment le coup. Alors en revanche, c'est en anglais, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Là, honnêtement, voilà, l'astuce, une fois révélée, vous arrivez réellement à suivre avec les images. Et c'est alors, même si le DVD en anglais, le packaging en anglais, sachez qu'évidemment, c'est adaptable à votre langue, quelle qu'elle soit, et donc au français, évidemment. Il y a juste une chose, c'est son handling du jeu invisible qui est très très cool. Il a une espèce de double réalité avec le jeu invisible au lieu de... Parce qu'il est sur scène, donc il ne peut pas le faire comme on le fait en close-up. Il le fait comme ça avec le spectateur derrière. Donc en gros, le public voit quelque chose, le spectateur derrière aussi. Donc globalement, tout le monde dans son esprit pense que tout le monde voit quelque chose de normal. Et il y a une double réalité à ce niveau-là. Donc il y a vraiment plein de subtilités qui sont très intéressantes. Ça vaut 41,90€. Et c'est de Cody Fischer, un gros pro aussi. Alors, Killer Prediction, c'est disponible sur le site. Et c'est disponible en boutique aussi. Alors, on va pas pouvoir vous faire de démo, malheureusement, parce que moi, le mien reste chez moi. Et il faut un public, évidemment. Mais vous pouvez nous croire sur parole. Si vous cherchez ce genre d'effet, vous ne serez pas déçus du tout. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo, que ce soit YouTube ou Facebook, on y répondra. On fait le maximum pour y répondre. Et puis, à la semaine prochaine. Mardi. Allez, à bientôt. Salut ! Merci à tous.